Bonjour, bonsoir, bienvenue, ici Jake sur Iva Sound Studio. On est sur quoi ce soir? On est sur du WarioWare Get It Together. C'est pas le mode histoire parce qu'on l'a fait hier en entier. Et on va s'amuser ce soir pendant un petit moment sur les autres modes de jeu que vous avez là à l'écran avec des choses que je connais pas, hein, donc ça va être de la découverte totale. On va voir ça ensemble, mais le stream ne durera pas très très longtemps, je dirais 2h, 2h15, 2h20, quelque chose comme ça. Parce qu'après, il y a le Nintendo Direct qui a été annoncé, du coup je couperai et go Nintendo Direct sur Discord. Voilà, on le regardera pour ceux qui le veulent ensemble et on débriefera ça sur Discord. Parce qu'on attend quand même des grosses choses de ce Nintendo Direct, c'est un gros Nintendo Direct, donc voilà. Bon, WarioWare, ce soir, il y a des modes variés, une coupe Wario, des persos, Wariopédie et des missions. Qu'est-ce que sont les modes variés? C'est la plus grosse case. Les divers jeux que vous trouverez ici ont des règles un peu différentes de celles du mode histoire. Vous pouvez former une équipe avec d'autres joueurs pour affronter ces jeux ensemble. Okay. Mais si vous préférez jouer en solo, il y a bien sûr des jeux à explorer en solo. Let's go! On commence par les modes variés. Oh, punaise, il y a tout ça. Oh punaise, il y a du... Waouh. Alors, balle au vol. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'un beau soleil brille, peu importe, maintenez coûte que coûte la balle dans les airs. Les jeux simples sont parfois les plus plaisants, n'est-ce pas? Bah écoutez, on va tenter ça. Exploitez les talents de votre personnage pour maintenir la balle dans les airs. Si elle touche le sol, c'est perdu. Changement de terrain. Au fil de votre progression, les conditions sur le terrain peuvent changer et affecter la balle. Ne vous laissez pas distraire et continuez de garder la balle en l'air. À partir de deux joueurs, si... Ouais, alors ça, oui, parce que pour une fois, WarioWare peut être à plusieurs. Donc ce ne sera pas le cas ce soir. Si vous jouez à plusieurs, ne touchez la balle que si elle porte la même couleur que vous. Ah, c'est pas mal ça. Ou coopérer pour que la balle reste en l'air. Ah, intéressant. Ça peut vraiment être un party game sympa entre amis, ça, en vrai. Je suis tout seul. Alors, c'est un jeu où il faut maintenir un truc en l'air. Je vais partir sur 18 volts. Son pouvoir est assez intéressant, je trouve, pour ça. Et j'ai 3 vies, apparemment. Ah non, c'est pas 3 vies, c'est le nombre de fois que je me fais rebondir. Ah, ça y est, maintenant il y a du vent, c'est l'automne. C'est l'automne. Non! L'automne m'a tué! L'automne m'a tué, au secours! Au secours. Bon, ben, on va retenter. Oh là, il y a du monde. Bonjour Yoni! Bonjour Yoni! Comment il va Yoni? Ça fait un moment. Wedgios, il est pas vraiment en live, il est en pré-live, non? Non, le pré-live, il a pas duré très longtemps, en vrai. Je l'ai écourté. Bonjour les gens! Bonjour, bonjour! Comment vous portez-vous? Comment allez-vous? Plus 1, moins 1. Égal. Oh là, ah, attends. 1. Ça fait 1, moins 1, ça fait 0, 0, 0, 0, ça fait plus 1. Donc à la fin, ça, il reste 1. Du coup, c'est positif, donc GG. Logique, bravo. Belle équation. Mon Dieu, j'ai fait des maths. Je crois que j'ai fait les maths pour la semaine. Là. Yoni qui va super bien. Ah, ça fait longtemps, Yoni, je suis content. Moi, ça va, tranquillement. Allez, on repart. On va faire 3 essais de chaque mini-jeu, je pense. Alors, on va essayer de dépasser l'automne. Ok, c'est pas pour de suite en fait. J'ai fait 2. S'il vous plaît, j'ai fait 2. Les maths t'ont fait prendre une ride. Ah, vous voyez? Vous voyez que c'est nul les maths. Ça rend vieux. Le sport, bah c'est nul aussi en fait. Le sport c'est nul, voilà, c'est décidé. Le sport c'est nul. Bon, en fait, non, je vais faire plus que 3 fois parce que c'est hyper court. Non, le sport c'est pas nul, hein. Samedi matin, sport. Sport samedi matin. Me voir souffrir, vous me voyez transpirer. Ring Fit Adventure. Littéralement. On va peut-être pas se panier. Ça y est, c'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne. Voilà, l'automne m'a tué. L'automne m'a tué. Ah là là. Les longs fleuves de l'automne, je sais plus, je sais quoi le poème. Oh mon dieu, c'est un poème que je connaissais pas faire. C'est complètement oublié. Non! Bon, ce mini-jeu est difficile.
Alors, c'est mon siège qui le supporte. Oui, en même temps, oui, il vaut mieux être assis en vrai. Le vélo, c'est cool. Oui, mais c'est pas du vélo là, c'est du Ring Fit. Mais le vélo, c'est chouette. Trop bien l'automne. Oui, Wedgeos, il aime beaucoup l'automne. Le sport, c'est nul. Mais le sport en jeu vidéo, c'est cool. Et d'où, c'est pour ça qu'il faut. Attendez, il y a le chat, il a fait des choses bizarres. Tac. Voilà. Il disait quoi? Oui, mélanger sport et jeu vidéo, c'est possible. C'est complètement possible. C'est totalement possible. Et c'est encore plus intéressant, je trouve. Les sanglots longs des violons de l'automne. C'est ça. Allez, train-train dardard, autre mini-jeu. Faites l'expérience d'une journée de travail ordinaire à WarioWare Inc. Foncez par monts et par veaux. Mon dieu, cette expression, ça fait longtemps que j'ai pas entendu. Pour décrocher des contrats et chercher à améliorer le chiffre d'affaires de vos jeux. Travailler dans un bureau doit être vraiment passionnant. Il faudrait que j'essaie. Berce mon cœur d'une langueur monotone. Ce poème, c'est vrai que je l'avais trouvé magnifique, mais je m'en souviens plus du tout par cœur. Je le connaissais par cœur, je ne le connais plus. Alors, l'heure de la récré est finie, il faut aller travailler. Ça y est, ça m'a déprimé. Ce jeu à défilement horizontal continue tant que vous avez de l'énergie. Objectif, vendre. Atteignez l'entreprise le plus vite possible pour ne pas vous faire supplanter par vos concurrents. Vos ventes du jour sont calculées à votre arrivée. Pour augmenter vos ventes, efforcez-vous de décrocher des contrats. Changer de personnage, patati patata, ça c'est un concurrent, l'espèce de chose avec le bonnet de grand-mère sur la tête. Le contrat, c'est les feuilles, et ça c'est pour changer de personnage. Ok. Contrat, si vous décrochez un contrat, celui-ci vous suit automatiquement. Rapportez tous les contrats à l'entreprise pour obtenir un bonus de monopole. Attention, si vous rentrez dans un concurrent, ce dernier vous volera vos contrats. J'ai rien compris, c'est trop capitaliste pour moi. Ça. Bref. Et je m'en vais au vent mauvais. Non, pas. Si tu retires quelques lettres à automne, ça fait bazooka. Ok, d'accord. De l'appareil à la feuille morte, ici Londres, les Français parlent au français. Ah oui, c'est pas. Là, on parle à autre chose, là. Là, c'est complètement. Radio. C'est pas pareil. Il y a quand même là. Allez, go. Jour 1. Eh ben, faut taper dedans? Faire quoi? Ah! Ya 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 ya. Oh mon dieu, les concurrents! Mon dieu, c'est des Donald Trump! On s'en va, j'aime pas les Donald Trump. Oh, il y a des bots. Non, j'ai pas envie de changer de parcours. Hop là. Ouais, je vois pas l'intérêt de ce mini-jeu en fait, je comprends pas l'intérêt là. Donc, je change... Non, les contrats, je les garde, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, soit. C'est ce poème qui a déclenché le détail. Ah, je savais pas ça. Et moi je le connais parce que c'est un poème de Verlaine qui a été mis en chanson par Charles Trenet. Verlaine, je savais, Charles Trenet, je savais pas. Contrat décroché, 2 sur 3. Ah. Ah, il fallait changer les personnages. Ah. Bon, on va faire mieux alors. On change de personnage, on a dit. Voilà. Voilà. Ils sont où les Donald Trump là? On peut revenir en arrière? Non. J'ai vu un truc là, voilà. Oh non, pas elle! Non! Non! Oh non! Je l'aime pas. Bon, ça va, fin de journée. Ouf. Oh là là. J'aime bien traîner. De mots. Je traîne un peu parce que j'ai la flemme de lancer mon live. Ah, oh, mais c'est du Monster Hunter ce soir chez Uni, chez Wadios quand même.
On va avoir la flemme. Ah, on peut tuer les Donald Trump. Hop là. On dirait un chat qui miaule. Quoi. Non ! Personnage. Bon, il est parti. Absolument pas intéressant en vrai. Je suis pas fan de ce mode de jeu. Vraiment pas fan. Yes. Ah, maître Kung Fu. Contrat sur 20. Alors. Où est la sortie? Ici. Voilà. Ça, pourquoi ce sexisme? Oh, t'es pas avec nous sur MH. Mais je joue pas à MH, moi. Je regarde, je joue pas. Alors, c'était une phrase à double sens, mais j'ai mis une chanson de Charles Trenet pour de vrai. Oui? Je pense que j'ai appelé ça le jeu de mots. Vite, le personnage! Ah, c'est le... Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Red, mais je m'en souviens. Mais il y a masse contrat là, dis donc. On trace alors, hein, s'il y a plein de contrats comme ça, on s'en bat. Mon dieu! Non, mes contrats! Oh non, pas lui, je l'aime pas. Tous mes contrats ils sont foutus. Non, viens là. Bon, c'est pas grave pour le dernier. On va au moins essayer de sauver ce qu'on a là. Ils m'ont bouffé les contrats quand même. Punaise. Red Shadow Legend. Et non. On va pas en parler plus parce que ils ont pas sponsor. Donc on ne dira rien. C'est bizarre cette fille. Oh non, c'est Scooter. Oh non. Non, pas elle. Pitié. Allez, on trace. J'aime pas Scooter. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Et oui, ça nous tue. Voilà. Ça nous tue. Bon, ce mini-jeu était pas très très intéressant. Vraiment, pas ouf. Pas ouf du tout. La suite. Conflit infini. Combattez des vagues d'ennemis les unes après les autres aussi longtemps que possible. Ne relâchez pas votre garde et soyez bien mobile. Réussirez-vous à venir à bout des 999 adversaires? Des fois, 900. Waouh. Combattez autant d'ennemis que possible jusqu'à l'épuisement de vos PV, c'est le principe d'un conflit infini. Vaincre le boss, à force d'éliminer vos ennemis, vous finirez par faire face à un boss. Les boss sont plus forts que les ennemis standards, mais les battre vous rendra des PV. Commencez. On va prendre Ashley. Pourquoi il y a des anneaux là-haut?
Ouais, mais par contre, si c'est des vagues de nuit comme ça. Je comprends maintenant pourquoi il y a les anneaux, mais ça m'intéresse pas. Ah! Un boss, ça? Y'a plus de boss. Ah, maintenant il y a une plateforme. Ah, il y a le pingouin canario qui est apparu. Pour l'instant, je suis à 23. Hein. Sur 999. Oh mon dieu! Et la plateforme change. Ah mais attends, je peux foncer dedans? Ah non, je peux pas foncer dedans. Ah punaise de boss. J'ai l'impression qu'elle dit Gérard à chaque fois. Aïe, et là, mais un qui... Voilà. Non, sérieusement, elle dit vraiment Gérard. Ça. Aïe, madame. Madame Monosourcil. Bah on essaye d'atteindre 100, c'est déjà pas mal, en vrai. Aïe. Mais... Bon, c'était pas 100. Ok, ce mode-là, il est sympa, j'aime bien. Mais j'y rejouerai pas dessus. Il est sympa. La suite. Passe à 5. Faites. Mince, j'ai pas lu le texte qui défilait. Bon, c'est pas grave. Formez des équipes pour une partie de volée. Il vous suffit de renvoyer la balle dans le camp adverse. Voilà. Les machines volantes sont admises. Le temps vous est compté. Si vous laissez la balle toucher le sol ou si elle ne passe pas le filet avant la fin du décompte, vous perdez le point. La première équipe à perdre 6 points a perdu. Faire un smash. Quand le décompte n'est plus qu'à 3 ou moins, la balle se charge. Frapper une balle chargée pour faire un smash dont la force varie selon l'angle et l'attaque. Pour forcer le jeu, des événements inattendus peuvent se produire pendant la partie. Ces événements peuvent inverser le cours du jeu, alors prudence. Ok. C'est du volleyball. Clairement pas 18 volts. Peut-être Yunki. Lui là. Yunki Cricket. Choisissez un terrain. Bah, à gauche. Nul. Je comprends pas le... Ouais, attention, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Non! Ça change de perso! Oh non 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 non! J'ai jamais été très bon au volleyball. Au collège, on en avait fait. Et au lycée, j'étais dispensé. Donc, je crois qu'il y avait du volley aussi. Mais j'étais dispensé. On aurait bien marqué au moins un point en fait. C'est quoi ça? Bon, j'ai marqué un point. Aya! 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 Et ça a perdu la vie pour qui là? Je suis nul, vraiment je suis nul. C'est horrible. Horrible.
j'arrive à gagner. Bon, en vrai, c'est pas. Là, c'est pas... Ouh. Ah. Ah oui, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On quitte ce truc. C'était quoi le texte en bas quand même? On le lit aller rapidement, les petites lignes qui défilent. Arène des duels. Entrez dans une arène où votre unique espoir de survie reposera sur vos talents de jeu. Vous affronterez votre adversaire dans ce duel de mini-jeu jusqu'à la défaite d'un des deux combattants. Bonne chance, guerrier de WarioWare. Deux joueurs s'affrontent dans des mini-jeux sur un écran indivisé. Le premier debout l'emporte. Le dernier debout l'emporte. Vous perdez une vie à chaque échec. Le premier n'a plus avoir de vie. Bon, voilà. Vous pouvez choisir entre 1 et 4 vies. Parfois, vous pouvez même entre 1 et 8. Vous pouvez décider en fonction de vos capacités. Deuxième mode, les plus pressés peuvent choisir un match éclair. Dès qu'un joueur gagne un mini-jeu, son adversaire perd une vie. Mort subite, si les deux joueurs perdent leur dernière vie en même temps, le jeu passe en mort subite. Le premier qui emporte un mini-jeu gagne la partie. Ouais, tranquillou, hein. Ah, c'est que pour deux personnes? Ah, bon, bah pas de mini-jeu du coup. J'aurais dû peut-être le lire. Mais c'est écrit, je suis nul en plus, c'est écrit, j'ai les sous les yeux. Deux joueurs. Moi pas savoir lire en fait. Ah là là. Ok. Alors. Donc tout le reste c'est que du deux joueurs, donc je pourrais pas vous le montrer. Course aux étoiles, c'est quoi? Collaborer à deux joueurs pour réussir le même mini-jeu. D'accord, meilleur pair. Gonfler à bloc. De l'anticipation de l'angoisse et un gros ballon. Ouais. Là en gros c'est du style Mario Party en fait. Trigonométrise. Mon dieu, c'est des maths. Affrontez vos adversaires dans des mini-jeux compétitifs. À chaque fois que vous remportez une victoire, vous pouvez placer un fanion pour créer des triangles et revendiquer un morceau du terrain. Ok, d'accord. Ok, KO. C'est. Ouais, d'accord. Il y a du hockey avec des mini-jeux. Baston général. Bataille acharnée. On change sans cesse de personnage. Ok. Ok, bon, voilà. Ouais. Ça, c'est des choses, vraiment, c'est du Mario Party, vraiment, entre potes, ça peut vraiment être sympa. Hein. Mais vraiment, je pense que ça peut être vraiment sympa. Alors, ensuite, on a quoi? La WarioPedia. Kezako. Sélectionnez le genre de mini-jeu auquel vous avez envie de jouer. Si vous choisissez de jouer avec tous les personnages dans votre équipe, et que vous atteignez ou dépassez l'objectif de score pour la première fois, vous gagnerez des pièces. Ah, tant mieux, il m'en manque 400. N'est-ce pas une perspective assez formidable? Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. En fait, c'est refaire l'histoire, quoi, en gros. Ah, j'ai pas tous les mini-jeux. Oh. Mais c'est qu'il y a des choses à débloquer. D'accord. Donc, je ne peux pas... Bah, en fait, la WarioPedia, c'est pas intéressant maintenant. Pas du tout. Enfin, je pense pas, en vrai. Il y a des textes sur chaque mini-jeu. Heureusement qu'il n'y avait pas ça dans le mode histoire, parce que j'aurais passé trois quarts de l'histoire à lire en fait. Je prends au pif, on va voir. On va voir. Processeur activé. Initialisation. Trouvez le bandit. Bonne réponse. Ouais, c'est une sorte de qui est-ce quoi, faut juste bien avoir les bons yeux. Trouvez le bandit. Pour l'instant, c'est tout le temps à droite. Hein. Comme prévu. Trouvez le bandit. J'ai rien dit, c'est au milieu. À droite, on aurait dit Roselyne Bachelot, excusez-moi. Trouvez le bandit. Bandit.
Ouais. J'ai pas pris le plus compliqué en jeu. Pour l'instant, c'est pas du tout à gauche. Hein. Bonne réponse. Trouvez le bandit. J'ai rien dit. Bonne réponse. Trouvez le bandit. Zéro erreur. Trouvez le bandit. Ça devient de plus en plus vite. Hein. Ça va de plus en plus. Trouvez le bandit. C'est pas lui. Naze. Descends, cours. Trouvez le bandit. Bonne réponse. Trouvez le bandit. Ah, la voix, le, l'accélère aussi. Bonne réponse. Trouvez le bandit. Bonne réponse. Trouvez le bandit. Il a dada. Trouvez le bandit. Chaud, tendu. Lui là, lui. Punaise, c'était le dernier. Bon, j'ai fait 30. C'est quoi le programme? Pourquoi tu le fais avec lui? Non, là, je fais, je me balade. Hein, je me balade. Je me balade. Batterie faible. Je regarde un peu ce qu'il y a dans les autres modes. Mais en fait, là, il manque plein de choses à débloquer. Mais il faut faire d'autres choses pour aller là-dedans. Du coup, on verra plus tard. Alors, personnage, c'est quoi? Diverses choses en rapport avec les personnages, personnalisez-les, patati patata. Ok, ça doit être du skin principalement. Et des stats, d'accord. Le bazar est ouvert. Achetez des articles parmi les offres actuelles ou tentez votre chance avec les distributeurs de souvenirs pour obtenir toutes sortes de cadeaux. Tout le monde adore les cadeaux. Dans le salon des persos, vous pouvez offrir des cadeaux à vos personnages pour les faire gagner des points d'avancement. Des points d'avancement? Quand un personnage gagne suffisamment de points, il peut accéder à un meilleur poste. C'est quoi l'intérêt? Accession à un meilleur poste. Les avantages d'un avancement à un poste plus élevé dans la hiérarchie ne sont pas à négliger. Plus de couleurs dispo. Ouais, c'est du chroma quoi. Des illustrations spéciales sont débloquées. Votre score pour la coupe Wario augmente. Ok, d'accord. Alors, salon des persos. On dirait des esprits Smash. Évitez de choisir à chaque fois vos préférés, sinon les autres risquent de finir par s'ennuyer et de se sentir délaissés, j'avoue. C'est pour ça que je vais prendre Mike. Test des commandes. Vous apprenez à maîtriser les déplacements et les accueils, donc c'est le tuto. Cadeau. Vous n'avez aucun cadeau à offrir, vous pouvez en acheter. Couleur. Ah, il est moche. Vraiment passer par le bazar en fait. Alors qu'avons nous vous pouvez ici utiliser. Oh mon dieu, mais c'est des offres temporaires en plus. Ok, on est vraiment dans une boutique à la Smash en fait. Alors j'ai quoi? Un anneau de canette. Ouais, une toile d'araignée, une canette vide, du lait. Une quille de bowling. Je vois pas trop l'intérêt en fait. En vrai, je comprends pas l'intérêt.
sélectionner les, c'est quoi, distributeurs, gagner des cadeaux. Ok. Et ça, c'est tous les items. Combien il y a d'items? Il y en a 100. Et je suppose que c'est des items qu'on peut upgrade. Eh ben. Je vais acheter. J'ai combien? Bon, allez, 10 rares. Ok. J'ai reçu ces choses-là. Je comprends pas trop à quoi ça sert. Hein. On va acheter 10 comme ça. On peut quand même avoir des beaux rares ici. Mais il y a des doubles par contre. Il y a des doubles. Donc c'est un risque en vrai. Maintenant que le catalogue il est là, alors. Point d'avancement. Ok. Je vois vraiment pas ce que, à quoi ça sert ça en fait. Je comprends pas. Donc bon. On doit toujours se fixer une date pour les jelly, monsieur Jake. Je dois m'en aller. On m'attend à Astera. Des bisous. Bonne fin de journée. Bisous UniTV. Bon Monster Hunter. Et bisous à Wadjos aussi, au passage, du coup, bon Monster Hunter aussi. Merci pour ce live incroyable. Pas déconner non plus. C'est pas le meilleur là, aujourd'hui. C'est vraiment se balader pour se balader. J'ai enlevé toutes les notifs nouveaux, j'aime pas les laisser traîner. Mais je comprends pas vraiment pas à quoi ça sert. Ouais, ok, c'est des vignettes, mais à part ça... Statistiques, mini-jeu joué, victoire, taux de victoire, Mike, 90% de taux de victoire s'il vous plaît. Pénis, 100%. Ah ouais. Mais en même temps je l'ai pas trop utilisé. Spitz, Anna et Pyro, 0, mais en même temps ils n'ont jamais été utilisés. J'ai rien en dessous de 50? Sérieux? Ah, je suis moins mauvais que je le pensais alors. Mais après, c'est que du, y a que du niveau 1 à côté. Pourquoi ça change? Je comprends pas. Ah, c'est par... Ok, d'accord. Alors, je vais retourner au bazar. J'aime bien tirer les machins, là. C'est rigolo. Mais du coup, ça fait quoi quand on a des doubles, en fait? Rembourse un peu de pièces ou pas? Ouais. On tente un rare. Les 600. Les catalogues maintenant, c'est déjà un peu plus rempli du coup. On sait comment, est-ce que je peux savoir combien sur 100 il y a d'items récupérés ou pas? Et là déjà, c'est des choses plus rares. Je ne sais pas combien j'en ai au total. Faudrait les compter un par un. Mais j'ai un peu la flemme, vous avoue. Ah, j'ai vu un truc. Là, il y a écrit vous avez une graine de pissenlit. Et là, il y a écrit vous avez 2 toiles d'araignée. Là, je peux le savoir comme ça en fait. Ouais, il manque quand même plus de la moitié. Ok. Bon, je comprends pas l'intérêt, en vrai. Coupe Wario. Démarrer la coupe Wario. Allez, fais-toi plaisir. Préparatif en cours. Chaque semaine ou. Oh.
D'accord. Chaque semaine, nous vous proposerons un nouveau défi. Relevez le défi d'une série de mini-jeux variés pour gagner des récompenses. Si vous aimez la compète, connectez-vous à internet pour participer au classement. Il y a du contre-la-montre, il y a du chasse au score. Ok. Score égale score de base fois niveau fois vitesse. Dans les défis, vous choisissez la composition de l'équipe. Le score de base variera pour chaque personnage selon son facteur de difficulté. Ah, donc ils sont pas tous pas. Ok, donc, ouais, okay. Ils sont pas équilibrés. Jeu en double. Vous devrez contrôler deux personnages à la fois sur une manette. Faut arrêter de fumer, les gens. Et les classements, ok. Alors, test de QI minuté. Ah, il y a des grades en plus. Secondes pour l'or. Ok. 3 persos à choisir, 15 rounds en moins de 38 secondes. Déjà mort parce que j'ai pas pris les bons cartes. Ok, café poule. Voilà. Ah, je prends des pénalités un peu. Oh punaise. Reproduisez le motif. C'est tellement dur. Quoi? Bon, le bandit, je sais faire. Je panique, je suis complètement en panique. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Sérieusement, mais quelle honte! Au moins avoir une médaille. Jus tomate piment, jus tomate piment. Trouvez le piment. Tombez sur l'olivier.
2. Je peux tomber sur 2. Oh punaise. Bon, c'est mort pour la médaille. Ça et ça. Étoile, étoile, étoile. Là, losange, trèfle. Coup hébreu, coup hébreu, haricot. Génial, je suis content, j'aime pas ça. 223. Lui. Tac. Et ça. Non! Ah, 3 ampoules! Je refais une fois pour tenter, mais au secours quoi. Allez, ça part 20 secondes. Pomme, jus, piment. Ah, punaise. Allez, sorcière. Mais non. Ah, punaise, c'est mort, elle est là. Oh, c'était l'autre à droite, pardon. Attends lui là. Il veut toujours le muffin au chocolat. Je peux en prendre deux d'un coup, s'il vous plaît. Non, je peux pas en prendre deux d'un coup, mais c'est nul. Hop là. Je crois que j'ai fait 6 secondes de moins que la fois d'avant. Ouais, voilà. Bon. Oui, envoie-le, même si c'est un classement nul, mais... Pas de médaille, du coup. J'ai 45 secondes de trop pour une médaille. C'est... Ouais, voilà. Rang E. Voilà, voilà. Génial. Génial, génial. Bon, ben il reste les missions à voir. Et après, on se baladera tranquillement. Oh punaise, c'est quoi tout ça? Alors, regagner le monde extérieur dans le mode histoire. Terminer tous les niveaux du mode histoire. Jouer à balle au vol dans les modes variés jusqu'au game over. Jouer à train-train jusqu'au game over.
Conflit infini jusqu'au game over. Passe à 5. Retour à la réalité. Ça, c'était... Débloquer tous les mini-jeux dans le genre. Ouais, après, voilà, c'est les mini-jeux. Ok, ça pour l'instant, je les ai pas. Voilà. Et après, ici, c'est quoi? Ça, c'est les trucs de des variés, d'accord. Il faut forcément être deux à un moment donné, quoi. Terminer des défis de la Coupe Wario, au secours, juste au secours. On termine tous les défis de la Coupe Wario. Ah oui, ils ont prévu du contenu pour un an, quoi, en gros. Ok, score. Jouer au niveau intro du mode histoire avec une équipe de 3 personnages et remporter au moins 21 points. Ok, donc là ouais c'est ok, d'accord. What? C'est que là c'est que la même chose à chaque fois là, c'est que sur le mode histoire. Ah non, pas seulement, pas seulement. D'accord, donc il y a aussi les autres modes en fait. Il y a tellement de choses à faire. C'est quoi ça? Ok. En fait, y a une... si on veut faire le 100%, il y a tellement de choses à faire. Par contre, ça va être extrêmement répétitif. Hein. 300 fois dans la balle au vol. C'est au secours. Le succès, c'est vraiment au secours. Jeu. Allez, je que je fais. Va disparaître tous les crédits. Ah, les crédits, je vais le faire. Ça, je vais le faire. Ça, je sais, je vois, c'est ce que j'ai raté hier. Mais ça, c'est facile. Enfin, si j'y arrive. Mais après, il y a des succès très spécifiques. D'accord. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Et les personnages. Faites accéder Wario au poste de Big Boss. Cricket. Ok, chaque personnage doit avoir un niveau de Big Boss. Entité légendaire. Toutes les missions. Tous les cadeaux. Modifier l'apparence des personnages. Okay. Ça encore, ça se fait tout. Il y a du boulot, hein. Franchement, il y a pas mal de boulot. Il est horrible. Il est horrible. Allez, on le laisse comme ça. Alors c'est quoi ça? Je comprends pas. Je vais mettre un 9. Ah punaise, d'accord. C'est donc ça, d'accord, ok. Ok, c'est chelou comme système quand même. J'aimerais bien de le faire monter au niveau 120. Il est niveau 10, voilà.
sais pas, c'est combien de combien est le niveau max en vrai. Allez, niveau 11. Et du coup, il y a des accès à la galerie du personnage. Donc des belles photos, génial, je suis content. Il en manque une, ok. Couleur. C'est quoi spécial? Ah. Et là, je peux vraiment choisir ces plusieurs couleurs. Il doit y avoir beaucoup, beaucoup de niveaux, en fait. Parce que... toutes les couleurs qu'il y a, en vrai. C'est qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup de niveaux. Bon. Si on en utilise un qui se consomme, je sais pas si ça disparaît de là ou pas en fait. C'est une bonne question ça. C'était où dans l'émission? Personnage, voilà, je vais faire ça. Normalement c'est bon. Ouais. Bon, eh bien en fait on va se balader dans la Wariopédia. Azulik 486 pour le follow. Merci Azulik, c'est gentil. En espérant que ce soit pas un bot en vrai. Ou de vrai de vrai. N'hésitez pas dans le chat, je supposais que c'était un bot. C'est dommage. On va se balader dans intro, du coup. Et on va faire des mini-jeux. En fait, il n'y a que ça à faire. Ouais, à chaque fois on va mettre tous les persos, là. Ça m'entraînera. Au moins je pense que ça sera plus intéressant comme ça. Ramassez tout. Ramassez tout. Non, je l'ai. Super. C'est un honneur. Ok, c'est le papy. Ramassez tout. Ok, lui c'est le nageur. Allez, justesse encore. Oh non, elle, c'est... Ok, là, ça c'est fait. Trésor. Non, j'aime pas les gens qui sautent comme ça. C'est horrible. Ah, oh, punaise, fantôme. Je l'ai pas eu. Voilà. Oh non, scooter. Le fantôme, l'extraterrestre. Voilà. C'est tendu, hein. Punaise, c'est vrai que la langue elle est en diagonale. J'y étais. Ça restera le 19.
Modestoma, allez go. C'est quoi ça? C'est quoi Modestoma? Attendez. Je m'en souviens pas de celui-là. Je m'en souviens vraiment pas. C'est nul. C'est pas intéressant. Il y a juste à foncer sur l'objet, d'accord, ok. Trop facile. C'est toujours un plaisir. Retirez tout ça. Oh punaise, il y a des variantes. Retirez ça. Jusque là, ça va. C'est un honneur. Retirez ça. C'est si simple. Bien sûr. Tout ça. Allez, vite, 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 vite. Elle, je l'aime bien, mais elle est pas facile à contrôler. Retirez ça. Tac, voilà. À mon tour. Retirez ça. Des fois, ça va tellement vite, je sais même pas quel personnage je joue. J'ai du mal à déplacer. D'habitude, je la joue fixe, donc j'ai du mal à la déplacer. Retirez tout ça. Tac, tac, voilà, easy. Sorcière, c'est easy. C'était facile. C'est un honneur. Retirez ça. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Imra lance en raid. Bonjour Imra. Merci beaucoup, c'est gentil. T'étais sur quoi, Imra? T'étais en live sur quoi? Sur Valheim? Hop là. Sur Sekiro. Non, pas la langue. Oh non, pas la langue, je n'aime pas lui. Je sais pas le jouer. Ah. C'est qui? C'est Scooter. Ok, c'est bon. Là, j'ai super. Kenna. Ah oui, t'étais sur Kenna, c'est vrai. T'étais sur Kenna. Kenna. C'est un jeu qui m'intéresse énormément, Kenna. Ce qui m'embête, c'est que pour l'instant, il est un peu exclusif. Pas le jouer enfin, exclusif dans le sens où il est pas sur la Switch, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est un jeu qui m'intéresse. Tac, tac. Je peux pas vous lire trois en même temps, je suis désolé, ça va très vite. Hop là. Bonsoir Hiroshi, pardon, j'ai écorché ton nom sûrement. Comment allez-vous les gens? Tac. Il y a un follow, je le regarde après, je peux pas le regarder pour le moment. Allez, monsieur Disco, vite, 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 vite. Ah. C'est passé juste là. Secours, au secours. Oh non, c'est la gamine. J'aimerais arriver à 30, s'il vous plaît. C'est bon, 29 ou 28, je sais plus. Ok, 29. Allez, 30. Ah! 30. Ok. 32. Comment je vais? ça se voit à l'écran. Voilà. Oh, c'est Scoot. Scooter, pour ce niveau, ça va. Allez, bien. Papy. Allez, papy! C'est qui? C'est qui? Non, pas lui! Non, pas lui! Je sais pas le jouer! Oh là 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 là! Merci, oui, Hiroshi, pour le follow, c'est gentil. Merci beaucoup. 36! Pour avoir atteint l'objectif de score. Ah oui, mais du coup, c'est quoi l'objectif de score en fait? J'ai même pas fait gaffe tout à l'heure. Je n'ai pas fait gaffe du tout. 20. Ah, et si, ça, c'est sûr. Oh, punaise, 20, je suis à 19. Ah, je suis deg. Là, c'était 30, j'ai eu.
36. Et là, il faut 25. 25. 25. De toute mémoire, il est pas... pas facile. 25. Allez, mon perso préféré. Quand c'est quand ça part en très rapide, c'est super chaud. Oh non, pas lui. Pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. En fait, ça devrait peut-être bien se passer ce niveau en vrai. Peut-être pas en fait. Ok, lui c'est plus compliqué. Déjà. Lui c'est déjà plus compliqué. Bon, les gens, il y a Nintendo Direct à minuit là dans moins de 2 heures. Qu'est-ce que vous attendez du Nintendo Direct? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura? Faites votre bingo. Faites votre bingo, dites-moi. Hop là. La grille de bingo est prête. Ouais, j'ai juste mis des trucs sur Discord, mais j'ai pas fait une vraie grille. Je n'ai pas fait une vraie grille de bingo. Okay. J'arrive pas avec la sorcière. Non, c'est un de mes persos préférés. Allez, c'est perdu. C'était 25 qu'il fallait faire. C'est perdu. J'en ai marre, je me barre. Bon, celui-là, on l'a fait. 30. Bon, ça va. Celui-là, il va être difficile. 25. 25 sur l'hypnose. Rude. Très rude. Voilà. C'est tout moi. Je relève le défi. Endormez-le. Hey. Splendide. Très bien. Endormez-le. Des bananes. Alors. Non pas, punaise. J'ai eu tellement peur. Oh non. Ouais. Non, c'était pas suffisant. Oh là 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 là. Les bananes. C'est combien qu'il fallait faire, 25? Oui, les bananes. C'est pas du tout le perso qu'il faut, ça. Oh, voilà. Skateboard, il est nul. Ok, ouf. Ok, c'est bon, ça passe. Eh bien, dis donc, c'est la foire à la banane. J'adore ce personnage quand je dois pas trop la bouger. Ok. Endormez-le.
le Yoshi oiseau Angry Birds. Je l'aime pas du tout. Non, je l'ai raté. C'est ma faute. En même temps, c'est moi qui ai la manette. C'est fini. C'est la perdition. C'est la perdition, malheureusement, messieurs dames. Nouveau record. Bah oui, en même temps. Mais j'ai pas fait le 25. Je suis fatigué. Alors. Ciel étoilé. Je me souviens pas de celui-là non plus. Faire combien? 30. Faut faire 30. Hein. Oh non. Faites-les toutes briller. Ça c'est joué à un poil. Faites-les toutes briller. Excellent. D'accord. Faites-les toutes briller. Allez, la balance avec le nez de Wario. Faites-les toutes briller. Wario, Cupidon. Ok, j'accepte. Faites-les toutes briller. Wario, je sais pas quoi. Oui, avec plaisir. Faites-les toutes briller. Un sac, j'ai plus le temps de voir. J'ai pas plus le temps, je crois que c'est un animal là. Ah, c'était un serpent, c'était Wario Serpent. J'aime pas ça. Allez! Ok, c'est 30 là, c'est ça? Là, il y avait un requin. Hop là, la balance. Un sac de pièces d'or. Voilà. Oh, scooter, j'aime pas. Eh ben c'est 20. Fallait faire 30. Nouveau record à battre, il est l'heure de faire une pause. Ah là là. Ah, celui-là je l'aime pas non plus, je suis nul à ça. Faut faire 20. Celui-là je suis vraiment nul. Oh non, mais faut arrêter de me sortir ce personnage. Retenez bien. Ok. Reproduisez. Retenez bien. Le U. Non. Mais il m'en avait montré deux juste avant. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Le C, le U. Le deuxième. Ok, c'est, il faut écouter en même temps. J'ai pas écouté, pardon. J'ai vraiment pas écouté. L'U. J'y arrive pas. Oh là là. C. C'est tellement difficile en vrai, vous pouvez pas imaginer. Retenez bien. Le premier. Le pont. Oh
billet. Trop cool. Compris. Retenez bien. Ben je laisse comme ça. J'avais rien à faire, c'était très bien. Retenez bien. Bon. Non. J'ai donné un coup en trop. Retenez bien. C'est dur. Défense des fleurs. Ah oui, ça y est. Mince, j'ai pas vu le score. Bon, c'est pas grave. Protégez les fleurs. C'était des boutons d'or. Protégez les fleurs. Elles ont une tête de droguée là, les fleurs. Oh non, pas lui. Protégez les fleurs. Yo, j'adore. Protégez les fleurs. Trop facile. Protégez les fleurs. Pratique. Celui-là, il est pratique. Non! Je les ai envoyés en... Enfin, je l'ai envoyé en plein dedans. Protégez les fleurs. Super. Trop facile. Protégez les fleurs. C'était la panique. Oh non, pas yo-yo. Ouais, ça va. Là, ça va. La chance. Ouais. Non, Wario. Et en plein dedans, voilà. Coucou. Nouveau record. Je crois qu'il fallait atteindre 20 et du coup j'ai eu 20. Ouais, je suis lessivé. Ouais, moi aussi. Alors, le fourreau, il faut faire 20. Il est pas simple en vrai. En même temps, aucun jeu n'est simple en fait. C'est juste on a de la dextérité, des réflexes ou on en a pas. C'est une fourchette. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Une fichue fourchette. C'est un poireau. Voilà. Voilà, voilà, c'est qu'un artichaut. C'est parti. Dégainé. Dégainé. La fourchette. Le retour. Dégainé. Non, là, je suis là, j'ai pas compris. Avec ce personnage, j'ai pas compris. Dégainé.
Dégainé. C'est tendu, hein. C'est parti. Dégainé. Bien, Jamy. Succès pour papa. En vrai, Wario, il est très difficile à jouer. Ouais, elle, je... elle, j'ai pas compris. Non, je veux le 20. C'était le 20. C'était le 20. Oh yes. Wario a pic. Faut faire 5. Faut faire 5. Mais il est difficulté très élevé. Ah mais c'est un boss. C'est un niveau boss. Ça speedrun un peu, ouais. Avec lui, ça peut être intéressant. En vrai. Oh non, c'est vrai qu'il sort des piques, j'avais oublié. Arrêtez de me le mettre, arrêtez. Éliminé. Je sais pas quoi faire. Heureusement que là il n'y a pas de temps. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de temps sur celui-là. Bon, 5, c'était le but. But atteint. Éliminé. C'est le skate. Oh là là. Éliminé. Il bouge tout le temps le skate. Ah
Voilà, c'est le truc, c'est qu'il bouge tout le temps, donc à partir du moment où il prend la météorite, c'est fini pour lui. Mais c'est pas grave, ici l'objectif est atteint. Succès. Je m'aime pas sommeil. Donc là où il y a la petite fleur, c'est là où l'objectif est atteint, d'accord. Bon, en attendant, il me manque des choses là. Aller dans mon niveau intro. Je finirai par l'avoir. En gros, faut refaire le mode histoire jusqu'à avoir les mini-jeux qui manquent, quoi. Là, il en manque 3. Je pense que c'est ce qu'il veut le mieux de faire. Le mieux à faire, c'est d'aller dans le mode histoire en vrai et de faire ce qu'il y a à faire. Moi, non, ça sert à rien. L'intro, du coup, c'est pas ici, c'est là. Allez, go. Donc, là, l'idée, c'est de débloquer les niveaux qui manquent. Et je ne choisis pas mes personnages. Pourquoi j'ai fait le tour? Je pouvais traverser, je suis bête. Décoller, c'est quoi ça? Ok. Ah oui, parce qu'il y avait une cuiseur à vapeur Harry, d'accord. Ça, c'était un nouveau, je le connaissais pas. Retenez bien. Le pont. Reproduisez. Docteur Wario. J'ai pas compris. Ça aussi, c'est un nouveau, mais je l'ai pas compris. Allez. J'avais pas fait gaffe, mais on voit la météorite est lancée par le volcan là. J'avais pas fait gaffe. Enfin, chute de pierre de volcan plus que météorite en vrai. Ah, j'ai gagné une vie. C'est nouveau ça. Ça c'est nouveau. D'accord. J'accepte. Dérobez-le.
Non. Ça s'est joué un peu au pif là. Je contrôle sur 20. Mais non, il est tombé. Pardon ? Mais je fais comment pour le tuer lui avec elle ? Ok, des pièces en plus, toujours ça de fait de toute façon. Plus dur. J'y arrive pas, vraiment. Ramassez tout. J'ai réussi. Je suis prête. Endormez-le. Ça a pas suffi? Débloquer des mini-jeux ici, ben on va se balader comme ça en fait, tant qu'à faire en vrai. Parce que si je vais dans Wariopédie et intro, voilà, ils sont tous là les mini-jeux de l'intro. Du coup, dans la vie quotidienne, il en manque 6, 8, fantastique 7, technologie 7, Nintendo 6, animaux 8. Sport 8, nourriture 5, culture 5 et un peu de tout 3. Ok. Ah ben on va se balader comme ça. Vie quotidienne. Mais avec tous les persos. Quand est-ce que tu auras le temps de passer sur la lame G3 de tout te montrer texte? En vrai, je veux pas faire un stream trop long. Mais il y a le Nintendo Direct après. Hein. Mais t'inquiète pas, c'est prévu très très pas longtemps. Mais. Il m'a fait peur lui avec sa langue. C'est pas suffisant, fallait sonner plusieurs fois. Mais tu sonnes une fois chez les gens, tu sonnes pas 50 fois, sinon c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, il fallait pas bouger, d'accord. J'ai pas compris le jeu, fallait pas bouger. Très bien. Ah, la buée sur les lunettes, mon dieu, dessin paint. Je fais les mêmes dessins. Alors celui-là, je l'ai jamais compris. C'est bon, je l'ai compris. Je vais pas le bercer, je veux le sortir, je veux l'éjecter. Bon, c'est pas grave.
Voilà. Barbier sur 20. Vous avez déjà vu des gens applaudir ? Enlever quoi ? Le casque ? Voilà. Les mini-jeux, certains sont what the fuck. Ouais, complètement. Les mini-jeux sont complètement what the fuck. C'est le principe de WarioWare. Et à plusieurs, ça doit être tellement drôle en vrai. Mais bon, c'est un local. Tasse, cheveux, chaussures, casquettes. Terminez le colis. Bien sûr. Voilà. Mais je veux le poser. Ok, c'est bon. Deux chaussures, il faut une tasse, un mug, hop là. Mug, casquette. Je ramène quoi du coup? Ah, sèche-cheveux. Sèche-cheveux. Mug. Et derrière, il y a chaussures. Ok. Bon, ça va. Ça fait du bien. Le stage bonus. Je vois pas pourquoi je bougerai, il y a tout ici en fait. Voilà. Il n'y avait pas à bouger. Quelqu'un m'ouvre comme ça, je me barre en courant. Échappez-vous. Oui. D'accord. Regardez-les. À mon tour. Évitez la buée. Mais non, il y avait un verre sur deux. C'est bon, il y voit un œil. Voilà, un coup de langue et tout est rincé. Tout le monde le sait. Ouvrez l'eau. Voilà, j'ai ouvert de l'eau avec de l'eau. Je maîtrise. Bouchez. Percez-le. Génial, je suis content. Là, j'ai du mal des fois. Nouveau record. Je roule déjà sur la réserve. Ok. Alors, on en est où dans les mini-jeux ici? Débloqués, vie quotidienne. Il en manque deux. Deux dans vie quotidienne. On va faire d'autres choses. On va faire d'autres choses. On va dans Fantastique. C'est l'heure. On va faire les trois d'ailleurs. Tiens. Ah non. Fermez. Fermez quoi? Ah oui.
Ah, dommage. Je l'ai compris trop tard. Très bien. Tournez les ailes. Hey. Oh. Yo. Hey. Oh. Yo. Hey. Oh. Yo. Hey. Oh, punaise. Hey. Dommage. Il y a des persos comme ça, c'est horrible. Mal parti, hein. Ouais. Pas convaincu. De façon très très méchante à la madame. On le refait parce qu'il n'y a pas eu trop de choses qui sont passées. Vous savez, éliminer des champignons pour gagner de l'argent. Vos business, trier, ok. Licorne. Licorne. Il doit des piques mines, mais... J'ai rien fait. Je n'ai littéralement rien fait. J'ai même pas appuyé sur la manette. J'accepte. Bah, 5. Pourquoi 2? J'ai pas compris. Pourquoi le 2? J'ai pas compris. Celui-là, je le comprends pas. Ah, Gandalf. Gandalf! C'était Gandalf. Ça va vraiment trop vite souvent. Reposons-nous un peu. C'est le principe en même temps. C'est le principe. Fantastique, il m'en manque 3 du coup. On fait technologie, allez. Je vais trop vite. Technologie, il est là. La photo, je l'avais pas encore eue. Échappez-vous. Évitez la collision. Comptez sur moi. Allumez. Ouais, pareil, là j'ai pas compris. Là je comprends.
C'est la 5G. Là, j'ai jamais réussi non plus. Ah, le boss. L'éponge. J'ai failli la prendre. Hein. Un téléphone. Ok. Ça fait des pièces quand même, hein, en vrai. Problème dans le tunnel. Reproduisez la forme. Celui-là, il était nouveau aussi. Soyez sur la photo. Ça va partir. Échappez-vous. C'est la panique. Au bout d'un moment, c'est vraiment la panique en fait. Hein. Et un nouveau record. On arrive en bout de course. Alors, on va jeter un œil à Nintendo. Parce que c'est j'ai un bon souvenir de ce monde-là en fait. Regardez, il est sur un Joy-Con. Qui a gagné ? Ben, les jaunes. Ça, c'est du Splatoon. Pas compris. Livrez le cadeau. Ah mince, c'était dans l'autre sens. Je relève le défi. Fallait livrer... Oh, je sais pas, j'ai pas compris. Frappez le bloc. Mario World. C'est un succès. Bien sûr. Éliminez l'ennemi. Oh. Donkey Kong. Pas compris. Entendu. Du Zelda. Je l'avais jamais eu celui-là. Easy. Celui-là je le connais par cœur. L'éponge c'est pour les hérissons. Hop là, du Metroid, on va en entendre parler dans pas longtemps là, Metroid. Évitez la pause.
Kaki. Bonjour. Quel est le plus grand? Bah 8. Game and Watch. Les Pikmin. Pourquoi ça a pas fonctionné? Je l'ai eu là le palais. Allez la mine, le remix, je sais pas combien il fallait, je m'en va voir. Au boulot. Et après on fera un point sur les niveaux manquants. Allez, DJ. Ah Pégase. Yo, hey. Licorne. Hey, yo. J'adore. S'il le faut. Évitez la mise à nu. Je me cache, je suis caché là. Ah, de suite le game over. On se moque. Qui a gagné ? Les violets. On se moque, mais testez-le les gens. En vrai, il y a la démo. Hein. Pour ceux qui peuvent, testez-le. Vous verrez comment c'est difficile en vrai. Je suis prête. Il est difficile, mais c'est fun. Ça. J'aime pas celui-là. Ah, je l'ai réussi du premier coup. Allez, le réseau. Mais il veut pas? Ah j'ai eu peur. Voilà. Ah mais celui-là je le comprends jamais en fait. Oh punaise, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Oh punaise. Je crois que j'en ai jamais eu autant là. C'est reboss ou pas? Ah non, c'est pas reboss. Voilà, dentifrice. Allez, on va voir qu'est-ce qui nous manque. On avait dit fantastique, c'est fait technologie. Technologie, il en manque 2. Nintendo, il en manque 2. Animaux, ah bah animaux, c'est pas fait. Hein. Ah, le remix, il est un peu de tout. Un peu tout, il en manque 3. Animaux, nourriture, sport, culture. Regarde l'heure. Hein.
animaux, sport, nourriture, la culture, le remix, et un peu de tout. Animaux. Là, je crois que je l'avais pas eu. Je relève le défi. Faites-les s'envoler. Libérez-le. Yes. Très bien. Recouvrez. J'ai pas compris. Vraiment pas compris. À mon tour. Nourrissez-les. Libérez-le. Regardez bien. Qui n'était pas là? C'est bizarre le poussin à l'intérieur. Comment tu veux que j'esquive? Il y a... Je pouvais pas bouger, il n'y avait pas d'anneau, il n'y avait rien. Éléphants, trois rayures, deux grands lions, deux lionnes, un gigot, un perroquet, deux perroquets dans une main. Première question. Les perroquets. Les lions. Les lions, les lions, les lions. J'ai tiré n'importe comment. Troisième question. Le flamand. Une tortue à atteint l'océan. Je vais la faire à chaque fois. Hop là. Il y avait du courant cette fois. Recouvrir quoi? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez que je recouvre? Pourquoi pas? Allez, plus vite, plus vite.
Ou alors c'était une litière en fait. Faites la pousser. J'y étais, oh. Je m'en occupe. Désaltérez-le. Ouais. Puis là avec le skate, c'est pas possible. Le gros caca qu'il y avait. Ah mais voilà ouais, c'était la litière. Wow, un nouveau record. J'ai même pas sommeil. Le sport. Au boulot. Sport. Sport disco Boris. Oh mon dieu, sa moustache, c'est une note de musique, j'avais pas fait gaffe. Gonflé. On fait quoi? D'accord. C'est un bonhomme bâton quand même. Un vélo. J'ai pas réussi l'épreuve du vélo. Oh. Un ballon de basket. Un ballon de basket. Avec le, l'oiseau là. Ok, d'accord, c'était simple en fait avec l'oiseau. J'ai rien dit. Je vais trouver une utilité. Défendez.
fait piquer le ballon des mains quand même. Gardez en l'air. Oh non, pas ça. Ok. Touchez la cible. Dernière chance. Je relève le défi. Faites-la tomber. Avec le poisson ? Bien sûr, oui. J'arrive pas. Zut, 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 zut. Nouveau record à battre. Il est l'heure de faire une pause. Allez, direction la nourriture. Passe les cinématiques, hein. Vous les avez vues hier, sinon les poulets verront. Lisez juste le bonbon. Super. Fastoche. Pour la science. Mangez tout. Floride. Je m'en charge. Ben voilà. Tout simplement. Retenez la glace. Enfin, ça, je sais pas faire. Ah non, celui-là, j'y arrive. C'est des mignonneries quand même. Pas compris. Banane. Des bananes. Retirez bas. Radis. Fromage. Trouvez. Premier. Bonne réponse. Moi, protégez le dessert. C'est un honneur. Allumez-les. Splendide. Asseyez-vous. Oh non! C'est tendu ça. Pressez du jus. Ne gaspillez pas. Bon, ça va. C'est bon, une fois qu'on a le coup de main, ça va en fait. Il reste 2 vies, 3 vies. Stage bonus. C'est plié.
Mais... ça a fonctionné, mais elle aurait dû tomber en vrai. Ce sont des poireaux. Ah, il y en avait deux. Oula, j'ai tant de réactions. Hein. Elle bouge la banane. Les coups. Martine fait la cuisine. Voilà, c'est pétri. Allez, le raisin. Pratique ce personnage là du coup. Bien pratique ouais, l'extraterrestre. Ah mais je dois récupérer une vie. Oh punaise, j'ai pris au pif. C'est pas vrai. Perdu. Prends deux quand même. Hein. J'en ai marre, je me barre. Allez, direction la culture. Qui était en fait assez difficile hier, la culture en vrai. Hein. Pour de vrai. Ouais, je suis pas allé trop vite. Hier, je suis allé beaucoup trop vite sur les poupées. Et ça m'avait traversé. Ouais. Non, pas voilà en fait. Une glace à la pistache. Il n'y avait pas de fourchette ou de cuillère. Allez, punaise. Celui-là, j'ai pas eu le temps de sauter. On refait la culture, j'ai honte.
J'arrive pas. Pas réussi du tout. J'ai eu l'étoile. B. Non, je... Mettez le même masque. Le masque mexicain, il est trop beau ce masque. C'est parti. Allumé. C'est bon. N'importe quoi, ça fonctionne. Voilà. Il s'était décapitué en bas. On tente un remix. Allez, on tente un remix. C'est l'heure. Lisez juste le bonbon. Zéro sur 20. Allez, les... Ça part mal hein, pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venez, j'ai une vue. Voilà. On aimerait bien faire de la montgolfière. Hein. Il n'y a qu'un plat, donc voilà. Je relève le défi. Il s'agit d'aller vite. Dégagez son passage. C'est quoi, qu'est-ce que... Ah, ok. C'est dégagé. Ne polluez pas les océans. Équilibré. Équilibré. Vite, 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 vite. Casse-le. 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 Bon, on va faire un point sur les niveaux manquants, pas manquants. Alors on a vu ça tout à l'heure, donc les animaux, il a animaux il en manque 2, sport il en manque 1, nourriture tout y est, culture tout y est, un peu de tout, il en manque 3, donc il y a une belle avancée déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais faire quoi en dernier parce que je vais pas tarder à vous laisser, je viens de voir l'heure. Je vous propose très gentiment de faire ce que j'ai un peu raté hier, c'est-à-dire les crédits, si je les retrouve, ils sont là. C'est les crédits de l'histoire, mais il y a un truc à faire spécifique sur les crédits de l'histoire. En fait. Et du coup, on se concentre cette fois. Faut tout virer en fait. Il
Il y a 65 slides. Il faut tous les virer. Une récompense à la fin, mais vu que hier je m'en suis rendu compte trop tard, j'en ai raté pas mal. J'en avais raté une dizaine. En fait, le boomerang il est sympa sur les crédits. Comme d'hab, les réseaux, vous connaissez. Là où on est le plus actif, Twitter, puis Facebook, puis Instagram. Bien entendu, le Discord avant tout. Si vous n'avez pas encore rejoint le Discord, viens des Discord. Venez Discord, c'est important. Parce qu'on y poste pas mal de choses, et chaque semaine, il y a même des jeux gratuits à récupérer. Donc profitez-en. On va blablater actu jeux vidéo. Quelques minutes, quelques heures sur Discord. Là. C'est un over. Tac. Et sinon, prochain stream sur Iva Sound, c'est demain soir. Et ça sera Draken qui sera là. Poursuite de Rayman Origin. Et pour ma part, je vous retrouve samedi matin pour du sport et du jeu vidéo dans Ring Fit Adventure. Donc notez les rendez-vous, venez faire du sport avec moi en faisant du jeu vidéo. Ça permet de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, de son corps, tout en se faisant plaisir, avec des bons conseils en plus, des vrais conseils pro de fitness. Donc n'hésitez pas. Non, je veux pas le rater. Je veux pas le rater. Ok. Très pratique. Très pratique ce personnage sur les crédits. On arrive à les voice crédits. Pratique parce que du coup il a un peu laissé faire. Allez, les voix françaises. Il y a bien entendu Donald Reignoux. J'ai mal au bout avec les voix. Les Italiens.
J'aime bien l'effet pixel pas pixel. Je trouve ça très original. Allez, les Allemands. C'est le Hollandais, ça ou bien l'Irlandais en vrai. J'accepte. C'est presque fini normalement. J'ai trouvé ça plus fun hier quand même les crédits en vrai. Quand même assez permissif en vrai. Il est juste à les toucher, ils s'en vont. Voilà. Voilà, 65, cool. Merci d'avoir joué. Mission terminée. On va aller la clean. Allez, ça c'est fait. On récupère toutes les récompenses. On va ici. Roll des crédits, voilà. Il y a d'autres jeux ici. Ah non, c'est juste des succès qui se nomment du coup. Voilà. Et on va aller à la roulette. C'est où la roulette déjà? Attendez, c'est où la roulette? C'est un personnage. Dans le bazar. Soit je prends des rares comme ça, soit je prends des machins comme ça. En vrai. Voilà. Je
clap clap, merci Imra. On passe ici. Voilà. 958, on va les garder. On clean ce qu'il y a là. Il en manque plus tant que ça en vrai. Quoique en bas il en manque quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est ça, attends. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 32, il en manque 32 sur 100. Allez, franchement, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Walou. Bon, sur ce, je vois l'heure. Dans 10 minutes, il y a le Nintendo Direct, blabla Discord, débrief, tout ça. Je vous laisse là. Je vous envoie chez Uni. Ça fait longtemps. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Passez une agréable nuit, une agréable soirée, tout ça. Ouais. Attendez. Tac. Tac. Voilà. De suite sur Discord, demain soir en stream à Draken, pour ma part samedi matin. Bye, cordialement bisous.